another loss here pretty much guarantees you're not making it out. But it is certainly possible to turn the ship around, even at this juncture. The Haymaker blocking the burst. A beautiful outplay. Tay looking to grab even more. It's a triple kill for Urgot. Humanoid coming in from the side, able to find the kill onto Macau. Oh. There comes your lockdown. There goes your kill. For Team Liquid, you have a lot of faith in a lot of the names on this roster. Two world champions, a world finalist, a world semi-finalist, and then that very young Tactical. Try put some damage down, Tactical opens up once again with Spray and Pray. Solar Flare, you impact has the blank. This team did not come to mess around, they came to win. Team Liquid will be looking for that first spot. Finding the engage they're looking for, and now in goes Snowflower with the Solar Flare coming out there. Whoa! The Cyclone, the Wombo combo, Supermassive are showing up. Rufei just got a whole lot more interesting. That is going to put the fear in Team Liquid. Team Liquid versus Supermassive for the probable first spot in the group. Never know what will happen at Worlds. The stage is set, the curtain is drawn. This is the key people want to see. Kaboom! They lit the fuse! They're gonna win! This is it! Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle matinée de play-in. Je suis accompagné de Tréton pour ce premier match de la matinée. Un gros match pour la première place, Team Liquid contre Papara Supermassive. Écoute, ça va être très intéressant, c'est le gros match sans les Maddens. Du coup les Maddens qui sont seulement 1-2 actuellement, qui sont un petit peu décevants. Deux équipes qui sont invaincues, qui sont toutes les deux en 2-0, qui vont très certainement décider du premier seed de ce groupe. Premier seed synonyme directement de qualification en groupe. Trop important, notamment pour les Supermassifs que l'on ne voyait pas forcément là. Et la Turquie pourrait s'immiscer très rapidement en groupe de World. Et oui, effectivement, des Papara Supermassifs qui ont été très convaincants sur leurs différents matchs. Une première game, on se souvient, avec un combo qu'on pensait un petit peu disgusting, avec un Hecarim qui a été buff par un Shen, par une Lulumide, une Senna, bref, tout ce qu'il fallait pour lui proposer du peeling. Parfait. Et ça a littéralement roulé sur ses adversaires. Et derrière, une deuxième game face aux Mad Lions qui, au final, a été juste très satisfaisant. Super convaincante. On a eu un gros duel en top lane. Armut qui a pris le dessus sur Orome, qui a été excellent globalement. Les Supermassive, il n'y a pas grand chose à dire. Pour moi, c'est une équipe qui est dominante dans ce début. Mais c'est pareil pour les Team Liquid. Et ouais, c'est aussi pareil sur la top lane. Impact a été monstrueux, notamment avec son Mordekaiser contre les Mad Lions encore une fois. Donc je suis très curieux de voir le duel top lane qui s'annonce assez insane. Ouais, très largement des Team Liquid qui arrivent du coup du 3ème seed NA et qui ont réussi à nous montrer vraiment des belles phases de jeu, des bons teamfights. Et vraiment, c'est pour l'instant l'équipe qui a été la plus convaincante sur tous les play-ins. Je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, c'est les deux équipes qui ont été les plus convaincantes. Alors, PSG Talon avait été quand même stylé au début. Et ça reste une équipe qui a été excellente durant, pour le moment, ces play-ins des Worlds. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ces deux équipes qui ont battu Mad Lions déjà, ça reste quelque chose. Ces deux équipes qui sont en 2-0, qui ont eu deux wins à chaque fois extrêmement convaincantes en 25-30 minutes, avec à chaque fois de l'avance en permanence. À voir du coup ce que cela va donner. Je suis aussi curieux de voir ce que Broxah et Jensen vont faire, puisque pour le moment, ce mid jungle tient plus que la route. Ouais, dévastateur le mid jungle. Et Broxah qui fait parler de son expérience actuellement, qui avec sa capacité à aller chercher des agressions, à aller chercher des ganks à la mid lane, permet de positionner Jensen sur orbite. Et du coup, ça fait que les Team Liquid ensemble arrivent à aller vers l'avant et littéralement pulvériser leurs adversaires jusque-là. Totalement. Et la fameuse botlane aussi, le Twitch Rakan qu'on avait vu du côté de Team Liquid, qui avait été blind pick pour Corji Tactical, qui avait très bien fonctionné encore une fois. Curieux de voir si dans la draft il va peut-être y avoir un ban sur l'un de ces deux champions. Ça a l'air d'être le combo des Worlds jusqu'à maintenant en botlane, donc on pourrait très bien essayer de le retirer du côté des Supermassive. Ouais, les Papara Supermassive qui ont aussi, je pense, quelques drafts surprises hein, dans leur poche. On se souvient donc dans cette première draft qu'ils avaient sorti, qui était particulière autour d'un Hecarim Karim, mais je pense qu'ils ont aussi d'autres atouts dans leur manche. Et du coup, on attend de voir peut-être, en plus de ces bans plus spécifiques face à Liquid, peut-être d'autres surprises. Je suis très pressé de voir la draft, des drafts qui sont très intéressantes. On voit déjà la méta qui change totalement en botlane. Ça n'a plus rien à voir par rapport à ce que l'on voyait il y a quelques mois dans les différentes ligues à travers le monde. Beaucoup de champions sont en train de revenir et je me demande si Twitch revient,
Moi, j'aimerais bien revoir de la Tristana aussi qui avait été up il n'y a pas si longtemps. Et en termes de lane, en termes de phase de lane, c'est pas simple pour un Twitch de s'en sortir contre Tristana par exemple. On est parti dans cette draft et premier ban Orianna pour les supermassives. Ouais, premier ban Orianna, la réponse qui se fait pas du tout attendre. Hein. Les Liquid qui vont retirer la Nidalee. Grosse priorité autour d'une Nidalee jungle, hein, on sait. C'est un jungle très fort qui fait des bonnes agressions et c'est en plus c'est un clear qui est quasiment incontestable. On va retirer le mort de Kaiser d'Impact également. Le fameux, il a fait très très peur en rentrant dans ces worlds. On préfère le retirer du côté d'Hermut. On va vouloir essayer de sécuriser un bon match-up sur la top lane. On l'imagine. Kakao aussi en jungle du côté des Supermassifs qui a fait de très très bonnes parties. On le target un petit peu avec la Nidalee. Maintenant, on va ban la Senna. On ne veut pas de Hecarim centrique. Ouais, ça peut être dangereux, sachant que Kakao est un des principaux carries du côté des Paparazzi Supermassifs. Oui. Hein, le jungler d'expérience, bien sûr, qu'on a déjà tous vu jouer autour des différentes ligues. Excusez-moi, je bégaye un petit peu ce matin. C'est le matin, c'est moi aussi, on va tous les deux bégayer, hein, 10h du matin. C'est difficile, forcément. Le ban de Horn qui est enchaîné du côté Supermassifs. On continue d'essayer de retirer des chapeaux sur la top lane. On essaie de faire sortir peut-être Impact de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'on peut encore enlever? Il n'y a pas l'IA qui a été touchée. On sait que c'est aussi assez prioritaire pour l'instant durant ces Worlds. On pense à Caitlyn également. Il y a le Twitch Rakan qui est encore à disposition. Et finalement, on va plutôt retirer le Azir de Bolulu. Et du coup, on a un first pick à disposition. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On pensait à Sekarim, Lilia, Caitlyn, tout est à disposition. Lilia qui sera du coup récupérée. Lilia, alors est-ce que c'est un bait pick ou est-ce que c'est vraiment un pick si fort que cela dans la méta actuellement? On le voit, il n'y a que 33% de winrate pour le moment sur le champion. Il est extrêmement banni. J'imagine que dans les scrims, il est très très fort. Le truc, c'est que les joueurs commencent à s'y habituer. En mid-game, tu te fais moins catch facilement par une Lilia. On dodge plus ou moins ses spells, on ne prend pas de slip si facilement que cela. Et du coup, on va voir ce que les Supermassifs vont en faire. Il y a eu beaucoup d'IA décevantes pour le moment dans les Worlds. On montre le Twitch et ça va être Twitch Rakan potentiellement en first pick du côté de Team Liquid. En first pick, un Twitch alors que Caitlyn est open. Pour moi, tu fais Caitlyn Morgana, la bot lane ne joue pas. Ouais, c'est ce que je pense aussi, sachant qu'en plus Morgana c'est un très très bon counter à Rakan. Mais à voir quelle réponse sera utilisée du côté des Paparazzi Supermassifs. En tout cas, il faut abuser un Twitch Rakan. On a vu ses forces, on en parlait encore tout à l'heure, ça permet d'avoir un bon zoning devant le Twitch lorsqu'il fait son ultimate. Mais derrière, en phase de lane, ça doit être abusable et ça doit être abusé. On va voir comment ça va être mis en place. En tout cas, ce sera pour l'instant le Wukong qui sera pris du côté de l'équipe turque. Moi, la réponse, elle était logique, elle était instantanée. Hein. Tu vois Rakan, tu vois Twitch, tu prends un ADC qui a haute range, tu prends un range support aussi avec Morgana qui fonctionne très très bien contre le champion. On préfère partir sur un Wukong. C'est vrai que pour le jeu, on a banni le mort de Kaiser, donc ça ouvre un petit peu plus de potentiel sur la top lane. Et on va aller récupérer un Nautilus, donc une bot lane qui va fight très certainement du côté Supermassive et un petit peu moins chercher le push. On a récupéré le Wukong. Est-ce qu'on pourrait jouer autour d'un flex de ce Wukong également? On peut penser qu'on peut l'envoyer au bot, mais ça serait souvent avec un Fasting Senna. Ah, il faudrait Senna. Donc effectivement, avec le Nautilus, ça tombe un petit peu à l'eau, mais chercher de la bagarre à la botlane pourrait être une solution pour aller essayer de punir rapidement hein, un Twitch et un Rakan. On va récupérer du côté de Broxas Graves qui pour l'instant a vu vraiment Broxas s'épanouir complètement dans la jungle. Beaucoup de DPS, une présence monumentale sur les gangs, donc très très bon choix pour l'équipe. Team Liquid qui est en train de draft sa composition, sa propre composition, c'est l'épique de confort sur absolument tout le monde. Broxas, on le sait, c'est Graves Lee Sin globalement en termes de champion pool, ça n'a pas été retiré du côté Supermassive, il se jette sur son Graves et a raison. Le Twitch Rakan, c'est eux qui ont démarré avec ce combo dans les Play in the World, c'est eux qui savent le mieux le faire fonctionner pour le moment. Donc les Team Liquid qui sont très très heureux avec leurs trois premiers picks et un ban de Miss Fortune. Miss Fortune, alors du coup là on est sur des bans spécifiques du côté de l'équipe Team Liquid. On essaie de peut-être sécuriser cette fameuse bot lane Twitch Rakan, des réponses qui peuvent être justement embêtantes. Soit le fight avec un Miss Fortune Nautilus qui pourrait être extrêmement dominant, ou donc tu parlais de cet ADC à outrange potentiel. Donc à voir quel sera le dernier ban du côté de l'équipe nord-américaine. En tout cas on a répondu avec un ban Malphite pour les Paparazzi Supermassive. Qu'est-ce qu'on veut? On voulait protéger ce Wukong, semble-t-il. On veut protéger ce Wukong au maximum, on veut protéger cette top lane, on veut donner à Hermut les clés pour carry la partie ici. Là où du côté des Team Liquid, on va plus jouer autour de Tactical et de Broxa en termes de draft pour le moment, vu des pics. On retirera aussi un Lucian. J'adorerais voir la Tristana du côté Supermassif. Je pense vraiment que la réponse est intelligente contre Twitch, à voir ce qu'ils vont décider de faire. Mais dans tous les cas, faut en être sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de dégâts pour pouvoir suivre les all-in du Nautilus et déranger ce Twitch en lane. Tu peux pas laisser un Twitch être bien en face de lane, atteindre son niveau 6, atteindre sa BOTR4 tranquillement avec un Rakan. Et pour Impact, on va jouer Weakside, il semblerait. On va jouer Weakside, on va jouer le Shen, mais Shen en 1v1 pur, en début de partie, ça peut toujours être extrêmement surprenant au niveau des dégâts. J'entends beaucoup de top laner whine un petit peu sur les dégâts que propose le Shen en début de partie. C'est un peu broken, une pointe de l'immortel, la capacité de trade est juste folle. Donc à voir comment est-ce que ça va se passer, mais Impact, on le sait, c'est Weakside avec ce Shen, mais globalement, il peut quand même snowball.
totalement. On va voir comment ça va être joué contre le Wurong. Ce sera un pick de Jin sur la bot lane pour Zetnotch. Je peux avoir celui-là en fin, on va voir ce que ça va donner en termes de phase de lane. Normalement, au moins, il va sécuriser le push assez facilement. C'est un Zetnotch qui push le plus rapidement. Il y a quand même des zones qui sont plus que correctes avec un Nautilus. Est-ce qu'on pourra mettre ce Twitch au moins 20-36 de retard? Peut-être une plate aussi de récupérer sur la bot lane supermassive. Et le pick de Akali qui a fait tout son chemin en draft et qui serait excellent ici pour Bolulu qui n'a plus son Azir. Ouais, un petit Akali Vine Pick en faveur du mid laner des Paparas Supermassive. Alors, Akali, ça reste toujours très fort. C'est juste qu'il faut être beaucoup plus vigilant en phase de lane désormais. Il faut respecter jusqu'au passage niveau 6 minimum, niveau 9 même après potentiellement pour avoir le Q spell amélioré. Et derrière, certains même parlent d'un power spike avec le pistolet Mextech. Oui, t'es full stuff. Voilà, là à ce moment-là, t'es full stuff, tu peux faire ce que tu veux. Cependant, là, avec un rise mid lane, ça aurait pu être extrêmement dangereux pour Bolulu. On va finalement plutôt partir sur le Sylas qu'on n'avait pas encore trop vu, mais qui après son up sur le patch 10.19, je pense être toujours très pertinent. Oui, clairement, c'est un pick extrêmement fort. En plus de ça, il a très bons ultis à aller chercher, un Wukong, une Akali, un Nautilus notamment, ce sont que des bons ultis pour Jensen. Il y a un bon mid jungle du côté des Team Liquid, tu as des dégâts AP avec ton Sylas, tu as des dégâts AD avec ton Graves, tu vas avoir beaucoup de pression normalement. Là où j'avoue ne pas être fan du tout de Lilia Akali, ça se counter très facilement, ne serait-ce qu'avec des bottes de Mercure, et pour moi ce Sylas, déjà Jensen a quasiment une free game ici ou un free early. Il faut voir comment est-ce que ça va se passer du côté de Kakao, qui on le sait est un des gros carrés de l'équipe turque. Mais effectivement, d'un point de vue de composition pure, celle des Team Liquid fait peur. En plus, on a un combo qui va se baser sur Twitch, qui va pouvoir récupérer l'ultimate de Shen, arriver dans la backline. Bref, ça peut être juste monumental pour le protéger, et Tactical qui peut avoir carrément la game entre les mains à lui tout seul. Clairement, mais surtout c'est leur composition. À part le Sylas peut-être de Jensen qui était pris quand même en counter pick, c'est pas un champion sur lequel on le voit toujours. Par contre, le Shen de Impact, Twitch, Rakan en botlane, ce sont que des champions qui jouent un maximum du côté de Team Liquid. Ils sont dans leur zone de confort. C'est le match le plus important pour eux dans ces phases de groupe. Et écoute, je pense qu'en termes de draft, on pouvait pas faire mieux. On va voir comment est-ce que ça va se passer entre les deux équipes. On le rappelle, c'est une place pour les premiers. Là, c'est une qualification directe vers le main event sur ce match potentiellement, sachant que les matchs suivants des deux équipes devraient être un peu plus faciles. Du côté des Paparas Supermassive, on va jouer face au INTZ, si je dis pas de bêtises. Donc normalement, ça devrait être relativement... Non, c'est Team Liquid. C'est Team Liquid que j'ai INTZ. Et les Paparas Supermassive jouent contre l'équipe Océanie. Normalement. Normalement, c'est une première place qui se joue ce matin. Faux pas de choke, évidemment. Mais l'équipe qui est en 3-0 aura une vraie chance d'aller chercher une première place, ce qui serait assez insane parce que c'est pas les Madones qui vont aller chercher. Dans l'autre groupe, c'est pas non plus LGD qui aller chercher cette première place, et elle est archi importante. PSG Talon qui est la seule équipe actuellement déjà qualifiée pour les groupes Sage des Worlds. Ouais, personne n'attendait PSG Talon, surtout avec ses trois subs hein, qui c'est scandaleux hein, mais au final ça, c'est une belle histoire je pense pour les PSG Talon qui vont pouvoir se retrouver au main event désormais, la game qui va pas tarder à commencer. Et effectivement, une première place qui est extrêmement importante, et surtout que personne ne veut récupérer cette deuxième place. Clairement, parce que deuxième place voudrait dire que vous devez jouer quasiment à coup sûr contre les LGD en BO5, ce que tu n'as pas forcément envie de faire, alors que 3ème, 4ème, certes tu as un BO à jouer contre le 3ème, 4ème de ton groupe, mais derrière tu joues contre les UL, et UL sur le papier en BO5, ça fait moins peur que les Chinois de LGD. Ah, largement, à voir si... On va avoir potentiellement du côté des Paparas Supermassive une gestion plus intéressante de cette game pour être sûr d'assurer cette première place. Mais les Team Liquid qui sont eux également très satisfaisants, on en a déjà un peu parlé un petit peu avant cette draft. C'est deux équipes qui ont été extrêmement convaincantes sur ce début de play-in et qui du coup doivent confirmer désormais face à leur plus grand adversaire. Très clairement, et du côté des Supermassive, il va falloir jouer autour de cette bot lane, ce Jin Nautilus qui a été pick contre le Twitch Rakan. Il va falloir absolument prendre le push, il va falloir essayer de décaler du côté Nautilus, du côté de Snowflower, mettre un maximum de pression, aller aider son mid jungle qui n'a pas sur le papier le meilleur des match-up, et c'est de snowball via la bot lane là où les Team Liquid ont un boulevard sur le mid jungle. Et globalement, jouer en mid jungle, c'est beaucoup, beaucoup plus simple que de jouer en bot lane actuellement dans la méta, évidemment. Ouais, on peut peut-être imaginer aussi une présence de Kakao sur la mid lane pour proposer des décalages de Bolulu sur le bot, et arriver à 4 sur cette bot lane et être définitivement en train d'enfoncer ce Twitch Rakan. Mais il va falloir le faire vite, parce qu'à partir du niveau 6, c'est Impact qui va sonner à la porte. Très clairement, Impact sur Shen, c'est une référence globalement dans le monde de la top lane. Impact qui a été excellent dans ce départ de play-in des Worlds, et on est parti dans la game la plus importante sans les Mad Lions dans ce groupe A.
Et oui, ça fait mal au cœur de le dire, mais les Mad Lions qui sont pour l'instant encore un petit peu sous pression. Hier, Orome a parlé au micro d'un des intervieweurs du LEC et il a dit qu'effectivement, on avait senti le stress du côté des Mad Lions, la pression de la scène, le froid également. Apparemment, il fait très froid dans la salle, dans la salle du stage, donc c'est très tôt, ça peut être impactant. Jouer les mains froides, c'est pas grave, je pense que tout le monde a déjà eu cette sensation, mais... C'est des petites excuses du côté d'Orome et globalement, juste ça montre que les rookies de Mad Lions ne sont pas forcément de suite préparés au stage. En tout cas, pour le moment, ils ne sont pas encore accoutumés. Et ça leur coûte assez cher dans ce début de play-in. Il ne faudrait pas que ça leur coûte une qualification en groupe. Évidemment, on en serait tous extrêmement tristes. En tout cas, nous voilà partis dans cette game, les amis. Et est-ce qu'on a des particularités au niveau des runes? Alors, on voit Armut est parti sur un Conqueror avec son Wukong. Pas trop de surprises. Impact, bien évidemment, pointe de l'immortel. Rush phasique pour Broxah, également pour aller essayer de coller un maximum à Kakao qui, on le rappelle, joue Lilia, donc aura énormément de movement speed. Bon, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de très surprenant. Et bien évidemment, le Guardian sur Cordigi, oui. Qui, on le rappelle, un peu broken. Le Guardian actuellement qui est très très fort en botlane pour counter les Zhaolin, maintenant que tu peux plus le proc avec juste une simple auto-attaque, il faut faire un minimum de dégâts pour réussir à proc le shield. Il faut y aller en deux temps, il faut faire deux Zhaolin tout simplement. Mais bon, normalement, du côté de Zenoth et de Snowflower, avec les champions qu'ils ont, il devrait avoir de la priorité en lane et devrait avoir la capacité de faire ses all-in à répétition. Nautilus est plus ou moins fait pour ça. Maintenant, est-ce qu'on aura la priorité au niveau de la mid lane pour l'instant? Bolulu qui essaie de mettre un petit peu de pression sur Sylas. Sylas, en tout début de partie, c'est également très très weak. Il faut que tu arrives à avoir tes premiers combos, le niveau 3, le régicide aussi, dans un certain point. Et à partir de là, normalement, le trade devait être très en faveur de Yensen. Et là, par contre, on le voit, hein, la capacité de trade de Impact sur Wukong, juste monumentale. Le début de partie d'un chaîne, c'est toujours aussi scandaleux. Ouais, le niveau 1 est beaucoup trop fort sur la top lane. On est obligé de laisser le push du côté d'Armut. C'est pas forcément bien grave. Il n'y a pas du tout de dive potentiel avec Broxah et Impact ici. Il va juste récupérer sa wave sous tourelle. Il n'y aura pas de freeze non plus. Impact s'en assurera. Il peut prendre le push à 100%. Pourquoi pas aller voir des dips dans la jungle adverse. Mais déjà, Impact qui montre que c'est le patron sur la top lane. Ouais, on l'a vu, Impact, hein, depuis le début de ses play-ins, il sait dominer la top lane et il le fait avec la manière. Et cette fois-ci, ce sera avec un chaîne. Peut-il continuer le snowball? C'est ce qu'on va voir. Ça dépendra également de la priorité qui sera mise en place du côté de Broxah. On parlait du mid-jungle, mais si tu arrives à mettre un chaîne sur orbite, ça peut toujours faire la différence. Totalement l'affaire. Jensen qui prend un petit peu de pression par Bolulu, mais sa wave qui devrait maintenant bounce. Il y a un gank potentiel pour Broxah. On veut sécuriser aussi le carapateur topside, on l'imagine, il a le push du chaîne, donc ça devrait être fait assez facilement. Jensen qui va partir à l'all-in et on force le flash de Bolulu très très tôt. La chaîne qui est bien flashée et Bolulu qui a pas très bien géré sa wave ici. Ouais ouais, on a forcé la smoke du côté de Yensen et du coup Bolulu s'est retrouvé complètement en danger. On ne pouvait plus se repositionner, en plus les chaînes de Yensen qui allaient arriver. Très très bonne gestion de la part de Broxah, très bon timing donc. Clairement, et c'est déjà un problème, hein, pour le mid-jungle de Supermassive. Ici, il va falloir jouer un petit peu plus en retrait du côté de Bolulu. Il ne pourra plus prendre véritablement de priorité. Mais pendant ce temps-là, Kakao va faire un bon travail. On voit cette all-in sur la bot lane. Beaucoup de dégâts du côté de Supermassive. Mais on tient le choc pour les Team Liquid. Et pour l'instant, la bot lane n'est pas par Supermassive. Continue à prendre de la priorité via le bot side. On en parlait. Normalement, Jhin, Nautilus, ça permet d'avoir d'une part la priorité sur la wave. Et l'agression là-dessus, on a encore failli retoucher l'abordage du côté de Snowflower. Ça aurait pu faire la différence et quasiment faire un kill là-dessus, sachant que Zeit Note avait chargé son quatrième coup. Je suis content de voir une botlane qui met sous pression un Twitch Rakan en early game et ce un maximum. Il y a même un dive qui aurait pu partir ici du côté de Team Liquid. On va la jouer safe, ils ont le Guardian tout de même, c'est difficile de dive tant que le Guardian est up pour Cordigi et Tactical. On récupère beaucoup de vision pour le Supermassive, on va pouvoir continuer de push et déjà un petit lead de CS qui est en train de se créer. Ouais. Tactical, de toute façon, on le sait, avec son Twitch, il va avoir besoin d'un tout petit peu de temps. Il faut ces 2-3 items sur un Twitch pour être sûr d'être parfaitement pertinent sur un teamfight, d'être fort, d'être capable de trouver des flanks, accompagné de Korn-GG et Impact, bien évidemment. Et du coup, on a quelques minutes qui vont être relativement weak, là où Zeitnot, lui, va pouvoir s'exprimer. On le voit déjà sur la phase de lane, mais sur les premiers regroupements également. Très bon move ici de Kakao qui vient aider son top laner au push. On peut pas se faire freeze par ce chaîne. On va offrir un reset très certainement au Wukong. Il a déjà fait un recall, qui a déjà utilisé sa téléportation au passage, téléportation advantage pour Impact sur la top lane avec un chaîne. C'est évidemment excellent pour lui, il pourra pas mal bouger sur la carte. Et Kakao qui a dû intervenir sur la top lane, du coup dans son passing jungle qui va être un petit peu plus lent. Et Broxah qui pourrait avoir un dragon assez gratuit ou des raptors. Ouais, en plus Broxah qui tient pour l'instant la Lilia au phare, mais ça c'est déjà un exploit pour le jungler Team Liquid. On le sait, Lilia ça cligne extrêmement vite, extrêmement fort, et c'est quasiment aussi rapide qu'un Karthus actuellement dans la jungle. Et là Broxah qui arrive d'une part à tenir Kakao au farm et de récupérer en plus du counter jungling, c'est complètement gratuit. On va avoir un Graves qui va avoir beaucoup de ressources en début de partie et potentiellement du coup passer niveau 6 et reforcer un gank sur cette mid lane.
C'est vraiment bien joué. Hein. Et tout cela vient du bon travail de Impact sur la top lane qui force à prendre le jungle. On punit directement avec un camp pour Broxa du côté des Team Liquid. On sent une machine bien huilée pour le moment. Les Team Liquid qui jouent vraiment bien cette early game, qui sont obligés de subir un petit peu. À voir dès qu'on aura le passage niveau 6 de Jensen notamment. Est-ce qu'il pourrait pas faire un move sur la mid lane? Bolu n'a pas de flash, ou du moins décaler avec le mid jungle et aller un petit peu en aide à cette bot lane qui souffre. Tactical qui essaie de build un petit peu une wave, semblerait-il. On essaie potentiellement, si ce n'est d'avoir un gros push, au moins de zoner un petit peu Zeytnot et Snowflower, mais on le voit, hein, un Jhin, ça push très très vite, très très fort. Et du coup voilà, deux grenades rebondissantes et on a clear la wave et on n'est pas très heureux. Ils ont totalement le contrôle de wave ici, hein, les supermassifs, ils le jouent bien. À voir si on peut décaler du côté de Snowflower, ça manque un petit peu de ward deep dans la jungle, notamment d'informations sur Broxa. Pourquoi pas d'invade aussi pour Kakao, qui est quand même une botlane archi dominante. Au moment, on s'en sert pas forcément au maximum du côté des supermassifs, surtout qu'il n'y a pas eu de plate récupéré. Il y a un avantage en CS, certes, mais on n'en fait pas grand chose. Voilà, pour le coup, les all-in vont commencer à être plus compliqués. Impact est passé niveau 6 avec son chaîne. Donc, toute présence sur le bot side va forcément être plus compliquée à être mise en place. Impact va justement reproposer le warding au niveau du top side jungle. On n'a pas l'information sur Kakao, mais on se doute plus ou moins de la présence de cette Lilia autour de ce top side. Et du coup, attention, Yensen qui a encore son flash. On a l'ultimate à disposition pour le Sylas. On ne prendra pas cette grenade. Attention, Langage qui va être trouvé du côté de Bolulu. On va forcer le flash de ce Sylas. Tandis que du côté de Broxa, on a récupéré ce dragon infernal. Un flash pour un Drake. Bon trade pour les Team Liquid. Très bon gank de Kakao qui a vu l'opportunité. Ça reste évidemment un bon trade pour les Team Liquid globalement, mais au moins ça va être inversé ce match-up sur la mid lane. Mais bon, plus d'ultimate sur Akali, plus d'ultimate sur le Sylas. Les champions qui vont du coup avoir du mal à vraiment décaler, à se rendre utile. Bolu qui trouve quand même ce flash ici, ça va l'aider, ça va le remettre un petit peu dans sa phase de lane. Il va récupérer lui aussi son flash et on pourrait récupérer un petit peu de priorité du côté des supermassives. Et pour le moment, une game archi-even malgré ce dragon pour les Team Liquid. Ouais, on se tâte un petit peu, semblerait-il, entre les deux ténors du groupe A. On n'ose pas forcément de créer de gros moves. On joue les priorités, on joue les objectifs, on essaie de trouver un petit peu la faille. Mais pour l'instant, on reste sage, sachant qu'on n'a pas encore pensé au fait que si on était allé trop deep du côté des préparations massives, Impact a toujours son ultimate pour sauver un de ses joueurs. Totalement, il va y avoir tout un travail de Hermout, empêcher ce chaîne de téléporter en permanence, que ce soit avec de la gestion de wave ou avec directement son ultimate. Et le bon free ici de Impact qui est trouvé, qui va pas durer très longtemps puisqu'il a un Tiamat, mais tout de même bel avantage en CS pour ce chaîne. Pourtant le Wukong a été piqué très tôt, il y a eu beaucoup de bans pour Hermout. Pour le moment ce n'est pas un succès, mais évidemment c'est un champion qui va se révéler en teamfight. Bien sûr, un Wukong en teamfight ça peut toujours faire la différence, sachant qu'on reste quand même sur un carry AD très statique du côté de Team Liquid. Et si Tactical n'arrive pas à se positionner suffisamment bien, Hermout peut clairement faire la différence avec son pick. Très clairement, on est parti sur un swap du côté supermassive, on va récupérer directement ce héros de la faille. Ils ont outroté totalement le Twitch Rakan. C'est une très belle option de leur côté, c'est très bien joué de la part des Turcs ici qui vont sortir avec ce héros de la faille. Pourquoi pas le positionner très tôt sur la top lane? Il n'y a pas encore de réponse du côté Team Liquid. On garde la bot lane sur la bot lane contre un Wukong et je vois mal un Twitch Rakan dive le singe, donc on n'est pas très très bien positionné pour les Team Liquid. Ouais, du coup on va essayer de faire snowball potentiellement la botlane des supermassives là-dessus. On va donner un maximum de ressources à ce Jhin. Attention à Impact, effectivement tu parlais du dive, mais là Broxa est en soutien. On va protéger le top laner, mais on ne pourra potentiellement pas protéger les plates. Kakao qui est là, qui ne posera pas finalement ce héros de la faille, semblerait-il. On veut temporiser un petit peu, on va attendre de faire tomber des plates, on veut prendre une tourelle directement. Et sur la botlane on continue de push, mais vous le voyez, Hermut, il n'y a aucun souci, hein, il peut tenir l'un contre deux ici. C'est Twitch, c'est Rakan, on rotate toujours pas pour les Team Liquid. Ça pourrait leur coûter très cher, ça pourrait leur coûter la première tourelle du match sur la top lane. Potentiellement du côté des préparations massives, on veut attendre la prochaine wave canon qui devrait arriver juste après. Et ça pourrait être une engage là-dessus pour aller chercher, si ce n'est Impact, définitivement récupérer cette T1 à la top lane. Oh, justement, l'abordage qui va toucher sur Impact. Attention, on va toucher le Z et ça sera le First Blood en faveur des Papara Supermassive là-dessus. Et Broxa qui est arrivé un tout petit peu trop tard. Mais Impact aussi qui se fait surprendre. Se fait totalement surprendre. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir la tourelle? C'est la grande question pour les Team Liquid. Est-ce qu'on positionne aussi ce héros de la faille pour les Supermassive? Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'aide. Impact qui pourra ultimate sur Broxa dans 10 secondes. Mais cette tourelle qui semble condamnée, qui sera récupérée par les Supermassive. Et les Team Liquid qui se sont un petit peu endormis ici, qui n'ont pas roté, qui ont mis beaucoup trop de temps, qui se font surprendre et on a un vrai avantage maintenant qui part sur Kakao, qui part sur cette note.
Ok, oui, attention justement, Brock qui va arriver à la téléportation également du côté de Jensen. Peut-on faire la différence? Le taunt sur deux personnes de la part de Impact. Takeo qui est forcé au flash, mais Impact qui prendra ce kill. Et Jensen qui arrive en soutien, bien sûr. Brock qui prendra le kill sur cette note. Très bien trouvé, très bonne réponse de la part des Team Liquid. Bonne réponse de leur part. On prend cependant seulement deux kills. On va pas récupérer sur la carte de plate ou de camp. Pour Brock, ça reste une bonne chose ici. Il est niveau 8. Il est assez imposant maintenant avec son Graves. On est resté trop longtemps du côté Supermassive. On a peut-être oublié cette ultimate de Shen qui vient les surprendre ici. Move très autoritaire de Broxa qui passe bien. Je sais qu'il va pouvoir en plus récupérer sa wave. Donc on perd pas grand chose sur la mid lane du côté de ce Sylas. Il a pris une assist. Une assist, c'est toujours ça de prix pour Jensen. Et on va revoir l'arrivée également de Broxa là-dessus, qui a été juste vraiment pixel, je pense, sur son engage. Et quel tone de la part de Impact juste après l'arrivée de son soutien indéfectible. Vraiment une bonne phase de jeu, en tout cas. Tu disais des Team Liquid qui se sont endormis sur, sur cette top lane, mais derrière on se dit ah mince, on n'a rien à faire là, il faut se bouger, et au final on a réussi à prendre les paparazzi supermassifs à leur propre jeu. Clairement, en termes de gold on est relativement even, mais il y a énormément de gold sur cette note qui a déjà son premier item. Ce n'est pas le cas pour le Twitch. Il y a un véritable timing à jouer pour les supermassifs, pourquoi pas dans les 40 secondes qui suivent, puisqu'il y a le dragon qui va respawn. Il devrait être en mesure de le fight sans trop de soucis, surtout que la Kali a son ultimate actuellement. Armut va pouvoir prendre un petit peu de priorité sur la top lane. Et Armut qui est peut-être le grand perdant de cette action, qui a dû perdre beaucoup de farm sur la bot lane, qui a quand même récupéré de l'XP. Mais bon, c'est pas aussi bien que ce qu'a pu faire Impact sur la top lane. Ouais, très largement, mais bon. Une fois de plus, s'il y en a un qui joue en weak side, c'est également Armut. On joue autour d'un Wukong, on ne veut pas forcément lui donner beaucoup de ressources. Tout ce qu'on lui demande, c'est de gérer son 1v1 tant bien que mal, empêcher une pack de TP, et au pire d'arriver pour aller justement utiliser son ultimate dans la backlane. Donc, pour l'instant, on va pas forcément le mettre en position de carry, et du coup il faut accepter du côté de Armut sans se faire trop surprendre, un peu comme l'a proposé une pack tout à l'heure, ce qui s'est fait avoir sur la Borgdal Snowflower. Enfin, tant qu'on joue weak side sans donner de ressources à l'adversaire, c'est tout bénéf. Très bonne rotation, très belle rotation ici de Impact qui force le surnombre sur le bot side. Il y a encore sa téléportation en plus de cela. On veut fight du côté des Team Liquid. On veut récupérer ce dragon et ce sera fait sans aucun souci, à voir comment on va répondre pour les supermassifs, pourquoi pas avec une tourelle top lane. Mais il y a en effet la téléportation de Impact qui a fait un très très bon décalage. Ouais, on va perdre un petit peu de CS pour Impact, mais rien de bien dramatique, sachant qu'en plus on va déverrouiller le deuxième dragon pour la Team Liquid et on s'approche déjà dangereusement d'une âme du dragon des océans qui vient d'apparaître, Triton, et on le sait, potentiellement c'est la plus forte, je pense, qu'on puisse récupérer. C'est quasiment un scandale ici. Ils ont Twitch Rakan et ils ont deux dragons en early game sur le bot side. C'est assez surprenant du côté supermassif qu'on n'ait pas pu plus en abuser, au moins récupérer des drakes. Il n'y a pas non plus de... Il n'y a aucune plate qui a été récupérée à Botan, donc c'est quasiment une catastrophe pour cette note et pour Snowflower. On va tenter du côté d'Armut d'aller chercher Jensen qui back un petit peu loin ici, qui se retrouve bloqué, qui devrait se faire combo. On va flash out, flash in instantané, et les Turcs qui vont pouvoir récupérer ce kill. Jensen qui était totalement paumé sur sa mid lane. Beaucoup trop arrogant le mid laner des Team Liquid là-dessus, qui sera forcé au flash et qui n'a donc rien pu faire sur ce catch très bien trouvé de la part des Paparazzi Supermassives. L'arrivée de Armut autoritaire et bien évidemment le grab de Snowflower qui a fait la différence. Bref, très très bien joué là-dessus. Attention, c'est déjà le deuxième catch et les Team Liquid qui ne devraient pas trop donner de ressources aux supermassifs, sinon ça peut être dangereux. Clairement, il y a des champions à Snowball de leur côté, hein, que ce soit Akali ou que ce soit Wukong, quand ça passe devant, c'est extrêmement menaçant, notamment pour un Twitch ou pour un Graves. C'est difficile de résister à ce genre de champion. Il a rien à faire là, il a grid la plate. Et c'est, enfin, surtout back en vision des adversaires. Bon, il pensait sûrement que Hermit avait reset, qu'il se sentait safe ici, mais bon, surtout à la botlane qui arrivait aussi. Fin. Non, c'est du trolling pur et simple du côté de Jensen et sa mort est totalement méritée. Voilà, reparti sur cette bot lane. Alors on voit un Zeknot Snowflower qui continue de garder la pression. Oh, cet abordage qui a failli passer pour le support de l'équipe turque, mais malheureusement Cordigy qui a réussi à bien esquiver avec cette entrée triomphale. Mais effectivement, on continue d'avoir la pression pour Zeknot et Snowflower. On a déjà un item de compléter pour le carry AD des Paparazzi Supermassive et une lame tempête face à une lame du roi déchu en début de partie. Il n'y a pas photo, c'est très clairement Jin qui a l'avantage, sachant que la lame du roi déchu sur des personnages qui n'ont pas beaucoup d'HP pour l'instant ne sert quasiment à rien. On a certes beaucoup, on a de la vitesse d'attaque et de la régène, mais au niveau de DPS pur, c'est Zeknot qui a la main mise. Mais attention par contre, parce qu'il y a déjà le Zeke du côté de Rakan. C'est aussi une des raisons pour laquelle Rakan Twitch marche aussi bien, c'est que le Zeke est un très très bon item avec Twitch. Et Rakan, c'est clairement core build, c'est peut-être le meilleur item à aller chercher sur ce champion.
ils ont déjà leurs premiers items et c'est un Twitch qui va commencer à faire beaucoup de dégâts, qui est niveau 9 aussi et qui pourrait commencer à assassiner à droite à gauche. Ah, c'est ça, il faut essayer de trouver les catchs potentiellement du côté de Tactical pour s'activer et essayer d'avoir un maximum de ressources. Si on arrive à donner des ressources à ce Twitch, très clairement le snowball peut s'activer de son côté et on peut trouver rapidement les items suivants. Donc, on peut penser au Runan en particulier et également à la lame d'infini qui peuvent clairement faire la différence. Donc attention, attention, ce Twitch qui est toujours l'élément X du côté des Team Liquid. Ouais, c'est de fight pour ce heureux de la fight. Les équipes sont relativement regroupées. C'est un 55 qui devrait partir assez rapidement. Du côté des Team Liquid, on a pas mal de spikes, mais c'est pareil pour les supermassives, notamment la Akali qui est très bien, qui a sa Gunblade qui est niveau 11. Bon, lui pourrait faire une énorme différence dans ce fight. Les Team Liquid qui pour le moment se regroupent. On pourrait avoir un flank de Armuts et on va décider du côté supermassif de laisser l'objectif. Ça laisse beaucoup d'objectifs neutres, peut-être un petit peu trop de leur côté. Ouais, ce deuxième Herald qui est un tout petit peu dangereux, sachant qu'on va avoir deux choix du côté des Team Liquid. Soit on va le garder pour activer le push au niveau de la mid lane et récupérer cette T1 pour pouvoir ouvrir la carte. Soit on peut très bien aussi décider de le conserver pour, dans une minute 30, sécuriser ce troisième dragon. Totalement. Donc les Team Liquid, là, ils ont un boulevard pour gérer la map que les supermassifs leur ont quasiment offert, parce que tu parlais des spikes effectivement Team Liquid, mais très largement si Armut arrive en flank avec justement Bolulu qui était niveau 11 et avait son pistolet arme, ça aurait pu clairement faire la différence. Je pense qu'ils auraient pu tenter de fight, ils ont pas osé ici, ils n'avaient pas forcément la vision non plus pour le faire, ils ont respecté le fait que Team Liquid avait mieux rotate qu'eux. Pourquoi pas, après tout, avoir ce qu'on le voit faire du côté Snowflower. On repart de la base avec Kakao. J'ai l'impression qu'ils veulent jouer botside, qu'ils veulent jouer pour ce dragon dans une minute. Essayer de récupérer un maximum de vision, être là en premier. Pourquoi pas faire enfin un catch, activer ce Jhin, activer cette Lia. On n'a quasiment pas vu d'ultimate de Lia dans cette game. Et le champion, encore une fois, laisse un petit peu à désirer pour le moment. Ouais, peu d'impact pour l'instant du côté de l'IA et qui est pourtant très très prioritaire, un peu à l'image de H, surtout sur les premiers jours, qui était quasiment tout le temps pick pour avoir seulement 20% de win rate. Donc pour l'instant, c'est peut-être les picks un petit peu pièges du côté de ces play-in, et on le voit, Kakao qui a, si ce n'est du mal à s'exprimer pour l'instant, n'arrive pas à trouver de vraie place avec son pick. Mais là, ce qui est important, effectivement, tu parlais de cette vision dans la jungle bot side qui est très largement en faveur des paparas supermassives et qui peut permettre à Armut et Bolulu de trouver des flanks monumentaux. Alors, il faut absolument la défendre ici, on va récupérer la priorité mid du côté du supermassif, on va se regrouper, ça va être un 3 contre 3 sur la mid lane. Il y a une belle rotation ici de Bolulu qui est dans le fog, qui met de la pression, les Team Liquid ne peuvent pas normalement contester, il faut absolument empêcher ce Twitch de taper les minions ici. Ils ont la priorité mid, ils vont pouvoir maintenant décaler dans la river, prendre aussi de la visio, il y a une téléportation sur Armut, ils pourraient très bien rejoindre le fight, c'est un Wukong niveau 11 qui ferait beaucoup de dégâts. On récupère la vision, faut absolument pousser Broxa maintenant, repush une wave mid lane et démarrer le dragon, si on joue clean du côté des supermassifs. Ouais, Team Liquid qui conteste pour l'instant, on essaie de récupérer la vision un maximum, Yensen qui est arrivé en soutien, mais pour l'instant effectivement Bololu qui reste invisible, justement ça va être l'engage là-dessus, l'arrivée de très Impact, bon flash. Gigi là-dessus, et on va pouvoir trouver le kill sur Snowflower qui s'est retrouvé un tout petit peu isolé là-dessus, et les Team Liquid qui vont enchaîner bien sûr, on pose le héros de la faille, on va chercher cette T1 mid lane et la rotation vers ce dragon qui semble tout trouver, mais attention, Kakao et Bololu essayent de veiller au grain. On va pas tenter le 4 contre 5 ici du côté supermassif et à raison. On récupère la T1 mid lane pour les Team Liquid. Très belle rotation de leur part. On force Kakao au flash out aussi sur ce bot side. Et on devrait récupérer ce dragon sans trop de problèmes. Snowflower est encore mort pendant 5 secondes. Il va mettre beaucoup trop de temps à revenir avec son Nautilus. À voir du côté des supermassifs. Est-ce qu'on peut vraiment le défendre? On est en 4 contre 5, on le rappelle. Mais bon, plus d'ultimate sur Akane notamment. C'est très important. Attention, Armut qui a cette téléportation. On va utiliser le rappel de rideau de la part de Zeytnot et ce sera l'engage de la part de Bolulu qui se fait littéralement sécher dans ce pit du dragon. Il forcera quand même son flash, mais derrière ce sera Yensen qui arrivera pour prendre le kill, tandis que le troisième dragon a été sécurisé du côté des Team Liquid. C'est une pulvérisation en bonne et due forme. Team Liquid qui sont impressionnants décidément. Déjà 3 dragons, de très bons fights à chaque fois, une très belle prise de vision. On allait très très loin pour Kurdji, on a récupéré Nautilus dans un premier temps, en second temps on a récupéré aussi la Akali, on récupère le Drake. C'est du tout bon pour les Team Liquid qui ont plus d'un kaggle d'avance maintenant à 18 minutes. 3 dragons en plus dans 4 minutes 30, les supermassifs seront obligés de fight et pas sûr qu'ils en seront capables au vu de comment Team Liquid joue et surtout au vu de l'avancée de ce Twitch qui se met maintenant très très bien dans la game. J'ai du mal à comprendre les mouvements des supermassifs, c'est-à-dire que bon, on a expliqué un petit peu les forces et les plus et les moins de leur composition, mais là on est toujours en réaction au move des Team Liquid. Pression mid récupérée et du coup on se fait avoir, Snowflower qui se fait catch là-dessus, réengage du dragon plutôt que d'avoir un vrai mouvement team, on envoie Bolulu un petit peu au casse-pipe, alors que juste tout à l'heure sur la pression mid lane on avait encore ces deux wards très deep au niveau du bot side, on aurait pu téléporter, trouver un flank au niveau du dragon et puis justement là vraiment activer son team fight sur des pick-up quoi. Et toujours pas d'utilité hein, du côté de Kakao, vous pouvez en engage pourquoi pas, ce serait peut-être l'une des solutions pour chercher le Twitch.
Si on arrive à l'endormir, on pourrait totalement le one-shot. On a un Nautilus tout de même. Il y a cette note à deux items. Il est gros sur son jean. Il faut absolument qu'il prenne cette priorité mid lane en permanence. Le truc, c'est que maintenant, sans tourelle mid lane, le Twitch va avoir beaucoup plus de place pour développer son jeu, pour développer des catchs avec le Rakan notamment. On l'a vu, le combo Twitch-chaîne fonctionne très très bien pour les Team Liquid. Et j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu trop tard pour les Supermassifs qui ont trop patienté et qui maintenant vont avoir beaucoup beaucoup de mal à aller chercher Tactical dans une composition Team Liquid qui a été très très bien pensée. C'est triste pour les Paparazzi sur Massive, ils se sont un petit peu endormis et du coup derrière les Team Liquid juste agissent dans cette game. On a tout un mid game qui a été au final prise en main par l'équipe nord-américaine alors que ça aurait pas dû être leur vrai temps fort, là où justement l'équipe turque avait très largement le moyen de dominer. Et du coup, comme tu le disais, c'est potentiellement déjà trop tard. Alors certes, on peut toujours imaginer un catch de l'équipe turque, mais avec un Shen, avec un Core GG qui va zoner autour de son Twitch, pardon, ça paraît très compliqué. Surtout qu'il a le flash actuellement Tactical, donc il est relativement safe. Ça devrait être assez facile pour Team Liquid de manœuvrer ici. On va peut-être trouver un engage du côté de Snowflower. On se rate un petit peu cet abordage. On va peut-être bait un flash ici. Une qui voulait pas vraiment toucher. En tout cas, les Supermassifs qui reprennent un petit peu de vision autour du Baron Nashor. Pas forcément très utile parce qu'ils n'ont pas du tout une composition pour le faire rapidement. Il faudra jouer absolument autour de ce dragon. Team Liquid qui s'en sort avec 3 Drake à 20 minutes alors qu'ils ont Twitch Rakan. C'est là pour moi la grossière erreur des Supermassifs. On n'a pas assez appuyé au niveau de cette priorité, au niveau du bot side. Et une fois de plus, ce pic l'IA qu'on a tendance à voir de plus en plus. Et Il y a des questions, clairement. Le pic est archi priorisé. Il a été first pick en blue side. Pour le moment, il fonctionne pas du tout. Il est au même farming qu'un Graves. Il n'a pas du tout plus d'utilité. On a vu un seul ultimate de toute la game. Pas d'engage trouvé. Et surtout, c'est pick avec une Akali. Donc il n'y a même pas ce côté où c'est un mid jungle où on joue Lucian Lilia, qui semble quand même beaucoup plus convaincant. On essaie de mettre de l'AD sur la mid lane. Là, c'est vraiment un mid jungle double AP avec une Akali qui a très peu de push. Du coup, Lilia n'a pas pu une veine non plus. Mais on a jamais été très très fan sur gaming. Et je pense avec Chips, on a eu beaucoup de discussions. Lilia Akali, c'est vraiment pas foufou. On va voir si on va réussir à l'activer pour l'instant. Tactical qui arrive justement sous invisibilité. Zeytnot qui n'a rien à faire là, qui se fait littéralement sécher. Snowflower qui sera forcé la flash. Peut-on retrouver l'engage? Mais le cône explosif est beaucoup trop loin pour le Nautilus. Ça sera un double kill en faveur de Team Liquid. Et le Baron Nashor qui leur tend les bras, traiton. On va tenter de défendre pour Armut et pour Bolus. On trouve deux niveaux 13. Akali Wukong, ça peut faire des ravages dans la mêlée. Mais bon, les Team Liquid sont 5. Ça semble quasiment impossible. Il va falloir aussi trouver une engage côté de Kago. Trouver peut-être un ultimate. Ouais, Bolulu qui a utilisé sa téléportation, on va tenter de contester, c'est la dernière chance du côté des Paparazzi sur Massive. Kakao qui se fait catch par Core GG, Armut qui est dans la mêlée mais qui ne peut rien faire, qui se fera littéralement pulvériser par ce Twitch. On sera forcé au flash et on va se reconcentrer sur le Baron Nashor. Plutôt on arrivera à s'échapper pour le top leader des Supermassive, mais il semblerait que ça soit trop tard, traiton. C'est un Baron Nashor et on va passer à 4 Kagol, 5 Kagol d'avance en faveur des Liquid. Les Liquid qui sont tellement chauds dans ces play-in, ils sont vraiment impressionnants. Ici, on turn directement sur le smite, on continue le Baron Nashor, on récupère absolument tout sur la carte. Maintenant, on va repush les lanes, on l'imagine du côté de Jensen. 30 secondes, il y aura le dragon, l'âme des dragons océans à jouer. On revoit ici Zednote qui n'a rien à faire là, qui se fait catch par 4 personnes. Le combo Shen Twitch qui est très très bien maîtrisé. On va tenter de flash out du côté de Snowflower, mais ce ne sera pas suffisant avec un bel ultimate ici de Core GG. Et normalement, on va récupérer le dragon dans la foulée dans 15 secondes. C'est évidemment leur objectif. Et si les Supermassifs ne peuvent pas le défendre, je pense que c'est la game, sachant qu'ils n'ont pas d'ultimate Wukong. Ça me semble impossible. Et les Team Liquid, franchement impressionnant. On va trouver le catch. Snowflower qui va tenter justement l'abordage pour aller potentiellement chercher le kill sur Boxa. Boxa qui est très très low HP. Et on va pouvoir se repositionner quand même pour le jungler des Team Liquid. Le rappel de rideau pour aller potentiellement zoner toute l'équipe des Team Liquid. On va trouver justement l'ultimate de cette Liga. Et enfin, un team fight de la part de l'équipe turque qui viendra chercher deux kills. Cette fois-ci, mais Jensen qui est dans la mêlée. On a encore l'ultimate de la part de cette Akali. L'impact qui est sur le side pour aller potentiellement chercher Bolulu. Le taunt qui ne passera pas pour le top laner des Team Liquid. Et on se fait pulvériser. Double kill Jensen. Quand même. Jensen qui est là dans la back lane. Et ce sera Kakao qui prendra quand même le kill sur Impact derrière. Mais ce sera un triple kill de la part du midlaner de Team Liquid qui vient littéralement shutdown toute l'équipe turque à lui tout seul. Il pourrait même aller au dive ici sur ce Kakao. Je pense qu'il en a envie, Jensen, mais va se retourner directement sur le dragon. On est en situation de 2 contre 2. A voir si on peut vraiment le défendre pour Kakao. Il n'a pas de flash, ça va être difficile pour lui de rentrer dans le pit, de défendre ce dragon. Broxa et Jensen qui sont au courant que Kakao va forcément venir le défendre. Il tente le trap ici, mais Kakao n'a pas l'air dupe. Quoique, Jensen qui attend, il joue patiemment ici les Team Liquid. Pas assez malheureusement. Kakao qui sent bien le jeu.
et ce dragon qui devrait tomber entre leurs mains, quoique il y a une téléportation d'Ormuth. Ormuth qui est là, on va voir la différence peut-être, mais on a l'impact qui va arriver d'ici 7 secondes, qui aura son ultimate, l'ultimate qui va être utilisé du côté de Ormuth, le kill qui va être sécurisé sur Brock, ça semblerait-il, le shutdown en faveur du top laner des supermassifs, et derrière ça devrait être un dragon en faveur de ces derniers, l'arrivée de Yensen dans la backlane, le kill qui ne sera pas sécurisé, mais le dragon par Kakao, tandis qu'on a l'arrivée d'impact bien sûr, et ça sera juste la pulvérisation complète de l'équipe turque, mais ça sera un dragon contesté très tôt. C'est, je pense, le mieux qu'il pouvait se passer pour l'équipe turque ici. Ils vont temporiser aussi ce Baron Nashor au passage, que ce soit un timing de Baron Nashor depuis tout à l'heure pour les Team Liquid. Ils n'en ont plus qu'un sur Jensen, ils n'ont pas push de tourelle, ils n'ont pas récupéré le Drake. Certes, ils ont pris quelques kills, mais c'est loin d'être game breaker ici. C'est la meilleure opération possible pour les supermassives. A voir maintenant, il va falloir concéder évidemment. Kakao et Hermut sont actuellement morts pendant encore 20 secondes chacun. Normalement, il y a au moins la T2 qui va tomber. Pourquoi pas une T2 aussi botlane, une belle rotation qui a l'air d'être préparée par Jensen. Oh, attention, impact là-dessus, on va trouver le grab de la part de Snowflower, tandis que l'engage va être trouvé du côté de Bolulu et Zeknot qui mettra cette dernière auto-attaque salvatrice pour punir Impact qui s'est trouvé un tout petit peu trop loin avec son chaîne. Et du coup, on n'aura pas de T2 midlane et pas de T2 botlane non plus. Une phase de jeu plus contestable que prévu. Bah écoute, ils trollent la game actuellement, les Team Liquid. Ils avaient très très bien démarré, ils avaient pris absolument tous les objectifs, ils avaient quasiment remporté la game, mais il y a eu un fait-check de Broxa sur le bot side qui a coûté très très cher à son équipe. Ici encore une fois, on va trop loin du côté d'Impact. On n'avait pas forcément la wave, on s'est vu trop beau sur cette T2 mid lane, on se fait punir. Ils ont récupéré la T2 bot lane tout de même du côté de Jensen. Mais attention, les Team Liquid à ces petits catchs. Maintenant, il n'y a plus de flash sur Broxa, plus de flash sur Tactical. Donc il y a une option du côté Supermassif. Si un flank passe, si un slip passe, il y a quelque chose à faire en teamfight. Ouais, je pense que d'ici 2 minutes 40 ça sera le dernier objectif de la partie, on aura un Baron Nashor qui risque d'être clé et une minute plus tard potentiellement enfin le quatrième dragon de la part des Team Liquid. Mais on a deux phases de jeu qui vont être extrêmement serrées, sachant que d'ici ces timings là on va commencer à récupérer les flashs du côté des supermassives et être des vraies menaces sur toute la backline de la team, des Team Liquid. Vraiment dommage pour Team Liquid, ils avaient quasiment une perfect game ici, ils avaient superbement bien joué leur composition. Ils font deux petits 3 à la suite, mais ils ont tout de même 5 gold d'avance. Toujours les 3 dragons, ils sont largement en contrôle. On le voit ici, de la mid lane, ils ont toujours leur T1 de leur côté. On peut plus vraiment jouer pour cette note qui n'est que niveau 12 contre le niveau 14 du Twitch. 225 CS pour Tactical. Quasiment son troisième item aussi, dès qu'il aura lieu, sera quasiment game over. Ouh, c'était chaud là-dessus, on a trouvé le X-Slash du côté de Snowflower, mais Tactical a eu le pas agile et on esquivera cet abordage. Dans un autre monde, avec un Nautilus qui a encore un bug de... un bug de grave serait pu passer. Un cauchemar de Glopo en effet, mais bon. Nautilus a été nerf depuis le temps et le champion quand même tombe un petit peu en disgrâce actuellement vis-à-vis de Rakan, vis-à-vis de Alistar que l'on voit beaucoup plus dans ses play-ins. Je serais curieux de voir un petit peu les scrims, comment ça se passe. Impact qui est niveau 16, qui a deux niveaux d'avance dans son match-up, qui joue d'ailleurs très support, Nightvo et Iron Solari. C'est vraiment tout pour le Twitch, pour les TL. Et en même temps, on a deux auto-attaqueurs très très puissants. On a Broxa et on a Tactical qui peuvent très largement prendre la game à leur compte, donc pas forcément besoin de DPS supplémentaires. On a quand même récupéré l'Hydro Titaness qui permet d'avoir le match-up 1v1 et le push. Et derrière, on engage, semblerait-il, du côté de Cordigi l'arrivée également dans la backlane. Et Kakao qui tombera, Snowflower qui sera forcé au flash. Peut-on trouver la re-engage encore du côté de Team Liquid? Mais pour l'instant, les supermassifs qui sont littéralement shut down là-dessus. Et on va trouver la grenade ASM de la part de Jensen, tandis que le kill sera sécurisé par ce dernier. On va se retrouver dans la backlane de la part de Bolulu, mais il se retrouve complètement shut down. Qui prendra ce kill là-dessus et derrière on va re-engage la part des Team Liquid. Armut qui sera forcé au flash, mais ce sera une game qui devrait être prise par les Team Liquid, en tout cas une T3 et un inhibiteur, mais derrière le snowball est complètement engagé. Incroyable fight ici, Cordigi qui joue très bien avec son Rakan, il va faire peur hein. Potentiellement dans les groupes des World, Cordigi très 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 dominant en support. Il y a une support diff qui est en train de se créer dans cette game. On va pouvoir aller chercher un reset pour les Team Liquid. Ils ont récupéré cet inhibiteur topside. Ils n'avaient pas de wave pour aller au bout. Mais bon, avec un inhibiteur top lane, un dragon qui respawn dans 1 minute 20, c'est une année dragon des océans. Du côté de Team Liquid, si on troll pas, si on fait ce check pas, normalement c'est game. Il y a 3 items sur le Twitch. Il a une stopwatch en plus de cela. On revoit la très très bonne engage de CoreJJ. On enchaîne très bien son Nautilus. Jensen qui va mettre son ultimate. Mais pour enchaîner avec son E aussi, on tente le turn tout de même du côté d'Armut. On essaye pour les supermassives. Mais on y va un petit peu séparément. Là, Akali qui va y aller, qui va se faire directement shutdown et se faire one-shot totalement dans la mêlée. Très belle stopwatch au passage pour Jensen. Je sais pas ce qu'espérait Bolulu quand même avec ses rengages. Il tentait la Misaya, mais avec la Akali, il y avait personne vraiment à shutdown. C'était peut-être un tout petit peu du trolling, je pense, de la part du midliner des supermassives. C'est le meilleur game. En vrai, de toute façon, les supermassives, globalement, ont pêché dans leur inaction. Du coup, ça leur a coûté beaucoup de choses au niveau du mid-game. Et là, j'ai l'impression qu'on tente un petit peu les choses du désespoir. Mais mécaniquement, pour l'instant, CoreJJ avec ses engages et derrière Impact et Jensen font très clairement la différence. Clairement, Team Liquid qui sont au-dessus quasiment dans tous les points, que ce soit en termes de draft, en termes d'early game.
en termes de mid-game, même s'il y a eu quelques petits ratés. Ouais, il y a eu des ratés quand même. Ils sont largement au-dessus. Juste la game qui a été rallongée de 5 minutes, mais je vois mal comment on va pouvoir défendre ici pour les supermassives. 10 secondes avance au dragon, on fait bien la chasse du côté Team Liquid, on prend bien la vision quand Jake met beaucoup de pression. Okay, il y a des flashs après du côté supermassive, il y a moyen de faire un fight, mais bon. Il y a un touch niveau 15 en face avec 3 items et une stopwatch. Ça semble compliqué. Ouais, Team Liquid normalement devrait prendre ce dernier teamfight à leur compte. Quand Judy qui est sur le side, on peut peut-être trouver une engage de la part du support de Team Liquid. Impact qui arrive à dodge et derrière quand Judy dans la backlane, mais bien sûr c'est si gratuit pour le bot side du côté de Team Liquid. Et du coup on engage bien évidemment du côté de Team Liquid. Armoud qui essaie de faire le travail dans la backlane derrière l'ultimate de Kakao qui pourrait faire la différence, mais non, on n'arrive pas à trouver le shutdown. Broxah qui sera forcé pour vers le double kill, également double kill en faveur de Jensen. Les Team Liquid qui sont juste beaucoup trop forts. On a tout tenté du côté game des supermassives, mais c'est game. Très clairement game, il y a une wave en plus dans la base du côté des Team Liquid qui ont été bien supérieurs, qui finiront en 30 minutes, qui auraient pu finir en 25 minutes, qui auraient pu être un petit peu plus clean, mais globalement c'était bien la meilleure équipe et ils ont maintenant une voie royale pour aller potentiellement directement en groupe du côté des NA et les Team Liquid qui ont, je pense, c'était pour le moment, on en parlait un petit peu avant avec PSG Talon, avec les supermassifs, c'est clairement Team Liquid qui est l'équipe la plus impressionnante pour le moment. Ouais, mais potentiellement voilà, les supermassifs qui ont réussi un petit peu à perturber un petit peu les Team Liquid dans leur retranchement. On a vu effectivement ces 2-3 throws qui ont été quand même provoqués par l'équipe turque, mais effectivement ce 3-0 qui est largement mérité, oui. Et du coup une première place qui leur tend les bras très tôt. Ah, clairement, je les vois mal perdre un petit peu plus tard contre l'équipe du Brésil. Normalement il n'y aura pas de choc. Après bon, avec ces play-ins on sait jamais. Faut faire attention quand même du côté des Team Liquid, faut rester concentré. Aussi faire le salut, une pack qui s'approche vachement du bord ici. On va faire le salut du côté des Team Liquid et c'est cool pour cette équipe nord-américaine qui pourtant se fait pas mal charrier, notamment par nous, mais qui font 3-0 actuellement, qui ont battu les Mad Lions de manière convaincante, qui battent ici l'équipe turque de manière très convaincante aussi et qui pourraient même faire mal, pourquoi pas, en groupe stage. Ouais, ça peut être l'épouvantail du groupe stage, effectivement, les Team Liquid qui ont en tout cas montré beaucoup, beaucoup de choses durant ces play-ins et qui pourraient potentiellement jouer, comme on disait, les épouvantails. Maintenant, il faut confirmer au niveau de la phase de groupe, c'est encore à faire. Et on le sait, la tradition NA actuellement, c'est de ne pas sortir des groupes anyway. Donc, juste mettre peut-être un coup dans les jambes, ça sera pas mal. Et surtout, si on a vu les play-in du côté des autres équipes, je pense que Team Liquid est une très bonne équipe quand ils ont leur champion, quand Broxah est sur Graves, quand il est sur Lee Sin, quand la botlane a notamment le Rakan de Cordugy qui marche super bien pour le moment. Okay, oui. Le Twitch pour Tactical fonctionne aussi. Impact qui a pu jouer son chaîne, c'est des champions qui ne devraient pas être up. Les grosses équipes vont faire le scouting, les grosses équipes vont les empêcher de jouer leur zone de confiance. Et elle, hors zone de confiance, sera très certainement beaucoup moins impressionnant. À voir effectivement comment est-ce que les gens vont s'adapter au Team Liquid, mais effectivement, des bans déjà plus target pourraient être impressionnants, importants. Et fait que le ban potentiellement le chaîne d'impact aussi sur laquelle il fait un travail monstrueux. If First Pick, Rakan, Twitch, t'en enlèves un des deux, et potentiellement toute leur draft, tout leur plan de jeu va être perturbé, il va falloir jouer des nouvelles choses, et c'est pas forcément simple de s'adapter aussi rapidement du côté des Team Liquid. Après, c'est bien joué de leur part, c'est eux qui ont trouvé ce combo, c'est eux qui l'ont joué en tout cas en premier en stage compétitif, ils le font très bien fonctionner, ça n'a pas été respecté du côté des supermassifs qui se sont fait tout simplement punir. Ah, c'est vrai que la gestion du combo avec le Twitch et le chaîne en plus de ça, il est parfaitement géré de la part des Team Liquid. En tout cas, très impressionnante l'équipe nord-américaine. Clairement. Donc une première game qui nous a au final tenu en suspense, tenu en haleine, mais au final une grosse domination, oui. DNA. Et derrière, celle qui arrive juste après, très importante également pour les Mad Lions. Mad Lions face à LGC pour aller chercher potentiellement une qualification définitive pour l'équipe européenne. Ça sera juste après la pause.